préparation, on va dire qu'elle est continue, comme nos projets, ils sont. Ils s'arrêtent juste en fin de saison, mais on prépare la fin de saison d'avant, on prépare la saison suivante. Donc, moi, mon bateau, il est rentré en chantier en début décembre, pour en sortir fin janvier. Et ensuite, après la Transat Bretagne-Martinique, j'ai fait une petite remise à niveau de quelques jours aussi. Avant d'arriver ici à Bordeaux pour la solitaire du Figaro. Avoir franchi un palier cette année et être capable de figurer régulièrement dans le top 10 de la course. Donc ça m'encourage, ce résultat, il m'encourage dans ma volonté de continuer et dans l'espoir d'avoir de bons résultats et pourquoi pas de remporter cette épreuve. Mes projets à suivre, après la solitaire du Figaro, moi je range le Figaro Veneto sur le terre-plein et je me mets aux classes 40. Avec pour objectif la Transat Jacques Vabre. Je vais participer à ça. Ce sera sur un bateau neuf. Le partenariat avec le skipper va être annoncé sous peu, début juillet, je crois. Donc ça m'occupera jusqu'à la fin de l'année.